le retard de la globale. Il y en a qui sont frustrés de ce retard-là. Et je vais vous expliquer un peu dans les grandes lignes dans cette vidéo pourquoi il y a du retard. J'ai eu quelques retours et cette fois-ci, ce ne sont pas des commentaires du bot. Ce ne sont pas des messages répétitifs ou autres. C'est bel et bien les raisons. Bien sûr, vous allez sûrement ne pas être d'accord et vous préférez qu'il balance le jeu directement et corriger ces erreurs-là. Mais on va directement aller voir ça ensemble pour que vous compreniez un peu la situation qui se trouve derrière. Il n'y a pas que des problèmes d'ayant droit. Enfin, il n'y avait pas que des problèmes d'ayant droit. Vu que les problèmes d'ayant droit ont été réglés il y a quelques mois auparavant. Alors, tout d'abord, on se retrouve dans les modes de défis illimités, ceux qu'on peut répéter sans cesse et en utilisant surtout les tickets skip. Bien sûr, les tickets skip sont utilisables seulement dans le mode de jeu qui concerne les potions d'XP. Mais bref, là, le premier point négatif et dont j'ai eu la confirmation, c'est surtout le drop. Le drop dans le farm qui est intensément long, répétitif et extrêmement chiant par la même occasion. Vous l'avez vu par vous-même, ça nous demande environ 4 heures, 5 heures par jour au total. Si on compte le farming auto et si on compte les second run plus le reste, c'est des poussières quoi. Juste second run, même si vous avez une équipe cool, une équipe bien optimisée et tout, on va dire, même avec le bon stuff, quel que soit le mode du jeu, selon la couleur que vous allez vous diriger dessus, ben ça va dépendre énormément de temps. Ça demande 1h30, 2h. Parfois, pour certaines personnes qui n'ont pas les unités adéquates, ça va demander environ 3 heures. Et vous multipliez par 2 ou par 3 si vous avez énormément de stamina derrière. Quand j'ai énormément, je ne parle pas de 400, hein, je parle au minimum de 700 pour le premier run et après de 600, 700, 800 pour les autres runs. Et même quand vous utilisez de la bouffe entre 15 et 30%, le taux de drop reste ridicule. Surtout quand on veut farm les équipements. Les équipements par exemple. Pour XP tout ça, il nous faut au maximum, pour être bien chanceux, il nous faut allez, une quinzaine de bouffe de 30%. Et encore, c'est pas sûr que vous dropiez du super item LR. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du super item LR, c'est ceux qui ont justement le petit icône d'étoile jaune sur leurs équipements, sur leur type d'équipement. Par exemple, là, c'est de la speed, on va appeler ça de la speed. Et en bas, il y a la petite étoile. Là, c'est de la super attaque, ainsi de suite. Super défense, etc. etc. Et voilà, j'ai dû gaspiller facilement entre 6000 et 7000, on va dire même 8000 stamina pour ces équipements, entre le 13 et le 15. Alors, on va aller dans mes équipements et je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai pu drop. Voilà, ça c'est pour environ 7000 stamina. C'est quand même assez énorme, même plus, hein, je pense être largement plus que 7000. Là, après on va commencer à décaler sur le UR. Alors là, le UR, en voici, en voilà. Et voilà. Là, on va pas compter le SR, parce que si on devait compter le SR en sachant que j'ai supprimé ou que j'ai fusionné des équipements et SSR pour en faire des accessoires, parce que les accessoires, on va aller voir ça pour vous montrer la quantité colossale que j'ai utilisé. Alors on est ici, alors 1 2 3 4 5 9, pour vous dire, pour faire un seul équipement d'accessoires, un seul accessoire, c'est, on va appeler ça comme ça, faut fusionner 10 équipements. Du coup, là, vous comptez 1, 2, 3, poids, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 x 3, ok. 36, 36, plus 18 encore, ça fait 54. On rajoute 1, 0.
Ça fait 540 équipements SSR gaspillés pour drop ça. C'est le seul truc potable. Enfin, on va pas cracher sur le reste. Mais voilà, 540 items SSR en plus de ce que j'ai ici. De tout ce que j'ai là. Qui plus est, j'ai également derrière supprimé des équipements SSR parce que j'étais déjà arrivé au max. Vous comptez au total, on va compter dans les environs de 2000 équipements. Voilà. Pour vous dire un peu le bordel que c'est pour drop les bonnes, justement, les bons équipements. Sans compter derrière, faut compter les substats. Parce que si vous n'avez pas les bonnes substats, ben c'est éclaté. Du coup, vous devez vous retaper les second run sur le même type d'équipement. Sans oublier que derrière, il faudra également équiper. Là je vous parle que d'un seul point négatif du jeu. Hein. Il y en a 5 autres derrière. Enfin, 4. Il y en a 4 autres derrière. Là, sans compter que derrière, il faut également équiper ça. On arrive ici. Voilà. Il vous faut ça là. Ça. Ça, ce truc va vous permettre d'augmenter d'améliorer vos équipements du LR plus 4 au LR plus 12. En sachant qu'il faut en moyenne 20. Je prends une moyenne, hein. C'est une grosse fourchette. Mais 20 essais, comme ça, pour arriver du plus 8 au plus 12. J'ai fait énormément d'essais. Hein. Et j'ai gaspillé. Hein. J'ai gaspillé facilement. Allez, 6 millions de euros. Ça demande énormément de ressources. Sans oublier qu'il faut une team adaptée pour chaque couleur. Par exemple, pour ça. Il vous faut une team verte, là une team bleue et là une team rouge. Si vous n'avez pas ça, oubliez-le. Vous n'allez pas arriver au dernier niveau. Les derniers niveaux qui sont les plus rentables. Sans parler du fait qu'il n'y a pas les ressources SSR et UR, LR. UR, LR, pour ça. Et c'est ça qui est un peu frustrant. Sans parler du fait que dans certains événements, on ne peut pas utiliser la bouffe, par exemple, le mode de jeu des potions. Les potions qu'on farm, on ne peut pas se permettre d'utiliser ça. C'est pas qu'on le veut pas, mais ils nous l'interdisent. C'est-à-dire que quand vous allez cocher, on va directement aller voir pour que vous compreniez un peu l'envers du décor. Par exemple, on va aller ici. On fait ça. On active ça. Ça ne va pas l'activer, ça va directement le désactiver derrière, automatiquement le désactiver, et vous allez l'utiliser, et vous dire, ah, trop cool, ça s'est activé, on va l'utiliser tranquillement. Eh ben non, malheureusement non, ça se désactive, et vous vous retrouvez à galérer à drop, justement, des potions LR. Ça, c'est vraiment l'un des points négatifs du jeu. Parce qu'on utilise énormément de stamina, ça nous prend énormément de temps, on peut pas skip, et c'est un peu énervant. Maintenant, on va parler un peu, on reste un peu dans le même registre. On va parler de ça. Là, on arrive ici. On peut utiliser de la bouffe, mais ça demande une énorme RNG, de la chance. Là où on va, il y a de la chance. Ça nous garantit pas à 200% malheureusement les équipements, que ce soit sur les accessoires ou que ce soit encore sur les équipements pour les... Hier, j'ai fait énormément d'essais là-dessus. Enfin hier, tout au long de la semaine, tout au long de la durée du temps qui est disponible pour ce mode de jeu. Malheureusement, je n'ai pas drop une seule fois. Je n'ai pas drop une seule fois de l'équipement LR là-dessus. Vous avez vu dans ma box, je n'ai quasiment rien là-dessus. Sans parler des coffres que j'ai ouverts qui sont entre du UR et du LR. Pour les équipements. Parce que faut le dire. Faut le dire, malheureusement, on n'est pas trop servi là-dessus. On n'est réellement pas servi là-dessus. Ça, c'est l'une des raisons pourquoi... Il y a du retard dans le jeu.
La deuxième raison, maintenant, si vous commencez un nouveau compte et que vous êtes totalement free to play, si vous avez raté la première semaine, voire le premier mois de jeu, là, dans cette version coréenne ou japonaise, ce qui va se passer, c'est que derrière, vous n'allez pas avoir les bonus que nous avons eus. Par exemple, nous, on avait 2 voire 3 bonus au quotidien qui nous permettaient de récupérer entre 500 et 700, voire 800 de stamina. Ce qui faisait que, au lieu d'avoir 1500 de stamina, on en avait entre 2000 et 3000. Ok? Maintenant, si vous, là, maintenant, vous commencez, vous serez limité entre 1000 et 1500 stamina. Du coup, c'est divisé par 2. Ce qui veut dire que le seul bonus que vous allez avoir et qui est, on va dire, correct, on va aller voir ça ensemble. Normalement, c'est dans l'événement. Voilà. Là, à l'heure actuelle, vous avez ça. Et vous avez ça. Voilà, ça, c'est le bonus de coup. Ça, c'est le bonus de coup que vous allez avoir. Nous, on avait la possibilité de récupérer un coffre de stamina. Si je dis pas de bêtises, ça nous donnait 100 points de stamina. Là, vous allez avoir que dalle. Vraiment que dalle. Ça, on va pas en parler, ça... Bref. Derrière, on va dire, un peu correct, qui est vraiment correct, qui était vraiment correct, c'est que si on récupérait... On récupérait ça. 100, 200, 300 stamina. Et là, aujourd'hui, c'était 200. Pour ma part, c'était 200. Mais avant, c'était mieux. On avait des coffres. On avait quasiment des coffres tous les jours. Là, malheureusement, on n'a plus ça. Ça, c'est un truc qu'on récupère tous les 2-3 jours. Et c'est pas du tout suffisant. On récupère pas ça tous les jours. Parfois, on récupère des gemmes. Parfois, on récupère ceci, cela. Mais ça reste pas assez pour quelqu'un qui va débuter le jeu. Là, le point positif, c'est que vous allez juste récupérer des coffres d'équipement. Un peu stamina par-ci, par-là. Des gemmes. Là, si vous commencez à l'heure actuelle, le jeu, ce que vous allez récupérer derrière, c'est surtout une certaine quantité de tickets que nous n'avons pas eu. Vous allez avoir plus de tickets que nous, c'est bien, c'est positif, mais au vu de ce qu'il vous faut pour vos personnages, la stamina, je la trouve largement plus intéressante pour un début de jeu. Ça, c'est vraiment les deux problèmes majeurs du jeu que j'ai pu relever ou que j'ai pu relever avec d'autres personnes, que ce soit Alpix, Marsoff, Fufu, etc., etc. Les autres, on va pas trop en parler, mais ça, c'est vraiment les deux points majeurs du jeu. Et malheureusement, c'est l'une des raisons pourquoi il y a eu du retard. Voilà, ça sera tout pour cette première vidéo sur le retard. J'essaierai d'en faire une deuxième plus construite concernant les 3 autres qui parlera du côté marketing, des ayants droit et bien sûr des points que j'ai déjà amenés dans mes anciennes vidéos qui datent d'il y a quelques mois auparavant, qui concernent l'App Store, le Play Store et qui concernent également les ayants droit sur certains aspects, les voix, les musiques, etc., etc., et les personnages également. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.